Drop set. Double it. C'est pas grave. Drop. Off. Lève. Départ à la ligne. Préparation au point, départ à la ligne. Conduire, Arthur, drop. Foot. Foot. Alors, il y a quelqu'un qui peut lui donner.
rester en trois là. Tandis que si tu fais la pied, tu roules là-bas. Là, c'est aller et retour. Et si tu touches, tu es au retour ou quoi, tu perds le temps. Tu touches au aller et tu perds le temps et tu touches au retour. Tu perds le temps. Tu risques de perdre. En fait, le chien ne peut pas avoir peur quand on fait un nouvel lac, il doit passer. Quoi. Parce que s'il ralentit. Il part à la ligne. Et après en deux, là il y a un peu des exercices en plus. Il y a la réception en deux. Ouais. Mais bon, il n'y en a pas beaucoup. Mais il doit lâcher aussi. Il y a une guerre là-bas. 180.
Le pointage, ça c'est un peu. Parce qu'il y a le mordant, au mordant, il y a les coups dedans, il y a tout le monde qui arrive. Et quand tu es dansé, on a un policier. C'est pour ça qu'on fait. Non, tu peux plus rien dire. Ouais. Une fois que tu es parti avec ton chien, tu l'as bien au pied, tu peux plus rien dire à ton chien. Même quand il mord, tu peux pas l'encourager. Non plus. Tu peux juste faire ce que le gars te dit, c'est tout. Il te dit d'aller là, ben tu vas là, avec ton chien. Hein. Mais tu ne peux pas dire à ton chien au pied. Tu dois faire, ton chien doit te suivre. Ah oui, quand c'est la défense, si tu ne peux pas, sans l'avenir, il doit te suivre. Là. Parce que si ton chien reste trop loin ou s'il ne te suit pas, là, ça va être bien. Tu ne perds pas tout ton exercice. Hein, parce que, mais par exemple, tu es assis, ton chien reste là et tu vas. Et ton chien ne te suit pas, il reste parce que tu ne te suit pas. Tu continues l'exercice comme si, c'est, comme ouais. Si tu avais pas de chien. Quoi. Thank you.